Elles sont au nombre de trois, Colette, Mireille, Olympe, toutes des religieuses de la congrégation des Petites Sœurs Dominicaines, à professer leur vœu perpétuel ce samedi 21 novembre en la basilique Sainte-Anne du Congo au cours d'une messe d'action de grâce présidée par son Excellence Monseigneur Anatole Milondou, archevêque de Brazzaville, en présence de certains évêques et de certaines personnalités. Le président de cette Eucharistie, au cours de son homélie, n'a pas manqué d'exhorter les nouvelles religieuses. Cet instant de grâce que nous partageons avec vous marque la réalisation d'un projet, d'une vocation. Car à travers la profession que vous ferez tout à l'heure, vous direz définitivement oui, oui à son appel, oui à sa volonté, oui à sa mission d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, trois religieuses ont fait leur vœu en promettant l'obéissance selon la constitution des Petites Sœurs Dominicaines. Moi, Sœur Colette Niami, fais profession et promesse à Dieu, selon l'esprit des Saints Dominiques, et d'obéir à toi, Sœur Ida de la Chine Vendée. Sœur Colette Niami, tu es désormais professe perpétuelle de la congrégation des Petites Sœurs Dominicaines. Moi, Sœur Mireille Bien-Pouza, fais profession et promesse à Dieu, selon l'esprit de Saint-Dominique, de t'obéir à toi, Sœur Pélagie d'Aguadou, conseillère générale, déléguée par Sœur Françoise Romatique, prière générale des Petites Sœurs Dominicaines. Désormais, professe perpétuelle de la congrégation des Petites Sœurs Dominicaines. Moi, Sœur Hélène Valentissa Sambalouka, fais profession et promets à Dieu, selon l'esprit de Saint-Dominique, de t'obéir à toi, Sœur Ida Pélagie, conseillère générale, déléguée par Sœur Françoise Romatou, prière générale des Petites Sœurs Dominicaines, et à toutes celles qui lui succéderont selon les constitutions de cette congrégation jusqu'à la mort. Sœur Colette Alendis Marina Sarissa, tu es désormais professe perpétuelle de la congrégation des Petites Sœurs Dominicaines. Aussi et surtout, cette célébration a eu pour particularité le jubilé d'argent, c'est-à-dire 25 ans de vie religieuse de Sœur Ida Pélagie Louvandou au sein de la congrégation des Petites Sœurs Dominicaines. Au terme de cette Eucharistie, ces religieuses n'ont pas manqué de mots. La joie est immense, quoi. Je ne sais pas comment exprimer ça. Les mots me manquent. Vraiment, je suis dans la joie comme vous le sentez vous-même. Je suis dans la joie avec tout ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, on s'engage définitivement. Je crois que c'est une grande joie. C'est une action de grâce. 25 ans, ce n'est pas vraiment moi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur en moi. Et donc, l'action de grâce, c'est vraiment reconnaître les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Parce que 25 ans, c'est vrai, mais sans le Seigneur, ce n'est pas possible.